C'est à Mascare, un jardin botanique de La Réunion, qu'ont été installées trois nouvelles ruches en présence des élèves de 6e et de 5e du collège de la Pointe des Châteaux. J'ai trop envie de le voir. Il va ouvrir donc, hein, cette partie-là et on sera dans ce qu'on appelle la hausse, donc la réserve de miel. Dans le cadre de sa compétence en matière de protection et de valorisation des espaces naturels sensibles, le département a validé un partenariat avec l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Un programme d'envergure intitulé « Abeilles sentinelles de l'environnement pour la sauvegarde de l'abeille et de la biodiversité sur tout le territoire français » à travers l'installation de ruchers pédagogiques. Alors le département a tenu aujourd'hui à créer ce partenariat avec l'Union nationale des apiculteurs de France en incluant des collèges pour inculquer et aussi pour sensibiliser les scolaires qui sont nos futurs ambassadeurs dans le cadre de la préservation de l'abeille, préservation de la biodiversité. Depuis plusieurs semaines, les collégiens de la Pointe des Châteaux sont sensibilisés au rôle essentiel de l'abeille. Avec l'inauguration du rucher pédagogique, ils peuvent mieux les observer, découvrir le travail des apiculteurs et obtenir des réponses à leurs questions. Ils ont également planté des espèces endémiques et indigènes mellifères autour du rucher pédagogique. J'ai appris beaucoup de choses, pardon. J'ai appris par exemple que la reine ne sortait pas. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses juste en quelques heures. Je trouve que c'est très intéressant. Les abeilles, c'est quand même ce qui nous permet, ça nous permet quand même de vivre nous aussi. C'est important et elles sont en ce moment assez en danger. Donc il faut vraiment les essayer. Alors, de faire des actions pour pouvoir les protéger et pouvoir continuer de... Alors on peut y aller avec les mains. Qu'elles continuent à butiner, etc. Et comme en ce moment elles sont assez en danger, je voulais venir parce que c'est intéressant de voir comment on pourrait les aider ou leur comportement dans leur état naturel et autres choses comme ça. Alors il faut être sensibilisé notamment aux abeilles et aux différents ruchers parce que ce sont, comme l'indique le nom du projet, les sentinelles de l'environnement. Sans abeilles, l'être humain ne pourrait pas être là. Et ces abeilles, qui sont en fait les ouvrières de notre écosystème, sont une sorte de clé de voûte de l'environnement. Donc sensibiliser les élèves au développement durable et sensibiliser les élèves à l'écologie, c'est aussi sensibiliser les élèves à l'existence et au travail des abeilles. Le département s'efforce de favoriser l'installation de ruches sur ces espaces naturels sensibles. 48 emplacements pouvant accueillir jusqu'à 40 ruchers ont été attribués à des apiculteurs sur toute l'île. La plupart des gens, de la rivière, ils passent par la 3 pour aller sur la côte. Quoi. Le radier, c'est un radier fusible. En moyenne, en deux fois emporté tous les ans, lors de cyclones ou de grosses crues. Le département a pris le parti de reconstruire à chaque fois le radier. C'est moins onéreux et notre service fait le maximum pour rétablir la circulation dans un minimum de temps à partir du moment où on a la décrue.
la plaine qui dessert l'entre-deux, qui a été construit et qui permet le passage de véhicules lourds sur la commune de l'entre-deux, sachant que le pont métallique est limité à 20 tonnes. Un camion qui a tapé dans une poutre et puis qui a fait effondrer le pont. Au lieu de reconstruire l'ouvrage, il a été décidé de refaire l'ouvrage sur le bras de la plaine plus haut et où on a pu enlever la limitation de tonnage pour monter sur l'entre-deux. Ils sont écoliers, collégiens et lycéens, et tous sont lauréats du concours académique Plaisir d'écrire. 94 jeunes récompensés qui ont composé sur une thématique libre, soit sous forme d'expression écrite, de nouvelles ou encore de poésie. Les élèves osent maintenant parler des difficultés qu'ils ont. Ce sont les difficultés de la société, le harcèlement, les téléphones portables, les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui vient s'imbriquer dans la vie du jeune et qu'il n'y a pas forcément sa place. Mais on a aussi beaucoup d'appels vers la vie, de choses enthousiastes et magnifiques. Il faut qu'on maintienne la qualité de la langue française à travers le verbe, à travers l'écriture, à travers la lecture. L'amour est aussi au cœur de l'inspiration de ces jeunes auteurs. Yvan Libel est lycéen et il est récompensé par le premier prix national de la jeune poésie. J'ai réalisé une poésie dont le titre est La Rose Bleue, où je parle en fait, donc je l'ai écrit le jour de la Saint-Valentin, où je parle d'un amour qui n'est pas réciproque, tout simplement, dans le sens où on veut faire passer un message à une personne peut-être qu'on l'aime, mais que le message n'a pas été forcément passé ou n'est pas vraiment, c'est pas un amour réciproque, quoi. Voilà. Organisé par l'AMOPA, l'association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques, le concours Plaisir d'écrire révèle chaque année de jeunes talents et une jeunesse qui montre son attachement à toute la richesse de la langue française.
Dans le cadre de la troisième édition des résidences d'artistes, l'Artothèque a accueilli Éric Lebeau pendant plusieurs mois. Une résidence originale qui propose de mettre en résonance de la musique vivante dans un lieu de conservation et d'offrir aux visiteurs un voyage onirico-sonique. Intitulée « Histoires havanaises », cette résidence s'inscrit dans la suite d'ateliers d'écriture de chansons menés par l'artiste. Donc ça a commencé par une étape d'écriture au mois d'août à peu près. Je me suis mis à écrire quotidiennement et puis ensuite j'ai pris des œuvres de l'Artothèque complètement au hasard. Ce sont des gens que je rencontrais au hasard, des amis, des anciens amis, des gens perdus de vue, des choses comme ça. Et je les faisais choisir dans le fond en fait, de l'Artothèque des tableaux. Voilà, ça m'a permis de développer encore d'autres aspects, de rencontrer des photographes, de travailler donc avec Marie Biraud qui expose de ce côté son travail. Et en fait, ce sont des photos qu'elle m'a envoyées quotidiennement et pour lesquelles j'écrivais un texte quotidiennement. Voilà, un texte par jour et elle m'envoyait une photo. Et comme l'univers est assez onirique, assez fantomatique, j'ai eu envie de développer en fait ce travail sur l'image et d'aller peut-être rêver de faire un film en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la dernière pièce où il y a une vidéo projetée. Alors c'est des plans statiques, rien encore est travaillé, mais c'était pour montrer en fait le cheminement qui part d'une volonté d'écrire et qui débouche sur d'écrire quoi, écrire un film, quoi. Voilà. Et d'en réaliser évidemment en tant que musicien la bande son. Voilà. Un dispositif du département mis en place en 2017 de soutien à la création artistique et de valorisation du patrimoine. Donc le principe des résidences d'artistes, c'est d'aider un artiste à créer et surtout de faire en sorte qu'il puisse rencontrer du public, dialoguer avec les visiteurs et faire en sorte qu'il y ait une meilleure appropriation et connaissance des œuvres qu'il a créées. Donc les résidences d'artistes, c'est un dispositif original qui a été mise en place par le département il y a un peu plus de... on est aujourd'hui à la quatrième édition. C'est un dispositif qui fonctionne très bien et encore une fois, les artistes en résidence sont très heureux de bénéficier d'un accompagnement financier bien évidemment, mais aussi un accueil dans la structure culturelle. Le résultat du travail d'Éric Lebeau sera visible à l'Artothèque jusqu'au 3 juillet prochain. Cette plante médicinale porte décidément bien son nom, le chanvre écorce. On l'appelle également le goyave marron en raison de sa ressemblance avec le goyavier. Parmi les 835 espèces végétales indigènes de la Réunion, ce petit arbuste qu'on retrouve dans les forêts de bois de couleur s'est développé sur l'île bien avant l'arrivée de l'homme. Mais les anciens se sont très vite appropriés les vertus médicinales présentes dans ces petites feuilles dentelées. Voilà. Un petit pied de bois que l'on apprécie aussi dans la tisane réunionnaise, c'est le goyave marron. Rien à voir avec le goyave, peut-être des petites ressemblances, des petits fruits blancs ou les feuilles. Goyave marron, notre nom, c'est sans écorce. Quand il vieillit, le pied, il perd l'écorce, c'est-à-dire le bon écorce, il tombe, les gros écorces, il tombe. Donc il laisse le pied un peu de couleur blanchâtre, jaunâtre. Donc sans écorce ou goyave marron. C'est un petit pied de bois qui pousse en altitude dans toutes les forêts de l'île des Hauts où trouve un pied de goyave marron. On a le petit et le gros goyave marron. Très apprécié comme rafraîchissant le goyave marron. On utilise les feuilles. Donc on va prendre des petites feuilles de goyave marron comme ça, ou bien un petit cœur de goyave marron comme ça. Là, on a une petite tisane pour un bon litre à bouillir. Soit toute seule, 5, 6, 7 feuilles, soit à bouillir avec un petit peu de barbe de fleurs jaunes ou à bouillir avec un petit peu de racines et de feuilles de fraises. Petites fraises, ils poussent dans la forêt que de Mouni apprécie bien. Pas fraises crapaud,
Mais bon petit fraise, que les bien sucrées qui poussent dans les hautes, qui trouvaient bon peu au Maïdo avant, ou dans les hautes Sillaos qui trouvent encore un peu, sur les sentiers, dans les randonnées. Donc le Gouya marron, très connu ici pour ses vertus rafraîchissantes, très utilisé, associé avec d'autres plantes ou tout seul. À Madagascar, on l'a appelé le Wafutsi, le Gouya marron. C'est la boisson nationale, Banaï boit ça régulièrement, il boit ça tous les jours. Ça aide pour le paludisme, ça aide pour éviter les fièvres paludéennes. Donc le Wafutsi à Madagascar, c'est la famille, la même famille, le même qu'on a ici, on appelle ça Gouya marron. Voilà. Ça, c'est un petit pied qu'on a quand même une dizaine, douzaine d'années. On a planté quelques Gouya marron sur le terrain, mais on a bombé dans le bordure de la ravine. Et il pousse facilement dans la cour et il est joli quand on est en fleurs. Préparation, décoction là, nous va prendre l'eau froide qu'elle est là, nous verse dans la bouilloire et dans cette bouilloire en même temps nous va mettre des plantes, une décoction de zambaville par exemple, des zambaville et fume terre, hein, zambaville et poc poc là pour laver, là nous fait un petit peu de plantes comme ça pour à peu près un litre et demi, un bon litre et demi, là c'est dit bien décoction pour le bain. Un litre et demi. On peut rajouter un peu de poc-poc dedans. Regarde bien le poc-poc, c'est poc-poc. C'est poc-poc. Hein? Marmaille qui ne connaît pas poc-poc. Alors là, pourquoi c'est appelé poc-poc? Il trouve ça dans le carocande, mais pas dans n'importe quel carocande, parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc veillez bien à ne pas ramasser n'importe où le poc-poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau. Là, nous fait une petite préparation, nous peut rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau. Nous la verse de l'eau dedans. L'eau est froide. Nous mettons les plantes dedans. Nous recouvre la casserole, le bouloir. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole. Nous fait ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration. Nous chauffe. Nous laisse de l'eau bouillir. La décoction dans 5, 7 minutes, 10 minutes, c'est bon. Attention, l'écorce de Gouya marron les peut faire vomir, à ne pas utiliser. Utilisez les feuilles, mais pas l'écorce. L'écorce, les vomitifs. C'est un petit pied de bois assez résistant. Un joli petit pied de bois. Les feuilles, les brillantes. Et il pousse facilement dans un jardin, dans les hauts comme dans les bas.